Bonjour à tous. Entame de mondial plutôt décevante pour le 15 de France qui a battu, mais sans vraiment briller, le Japon 47-21. Et pour en parler, je suis avec Baptiste Després de la rédaction de Sport 24 et avec Pierre Rabadan, notre consultant rugby. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Pierre, premier match, première victoire, mais on a quand même évité de justesse le scénario catastrophe. Oui, il y a eu un gros moment de doute et de flottement pendant le match, mais voilà, il y a deuxième mi-temps. Il y a deux options où on regarde un peu le résultat global et on a vu que les grosses équipes ont eu du mal à démarrer, à l'exception des Blacks. Et en regardant que le résultat, on se dit que c'est plutôt une bonne entame, mais effectivement, on a vu que pendant le match, ça a été un petit peu compliqué, donc le score est assez flatteur, mais au final, il y a encore quelques interrogations qui demeurent. Et comment vous expliquez ce manque de maîtrise, ce manque de sérénité au cours de la deuxième période ? Je trouve que l'équipe de France a fait une très bonne première période, pas très bonne mais sérieuse du moins, et qu'à la mi-temps ils ont un peu senti que le match était déjà plié, ils sont acquis trop bons, un petit peu, et je pense qu'il y a eu un flottement en début de deuxième mi-temps qui a permis aux Japonais de revenir dans le match. Ils l'ont très bien fait. Parce que était bon aussi, ils ont eu une bonne résistance quand même. On l'avait dit avant, que c'était une équipe qui progressait, etc. Qui ont joué sur leurs points forts, c'est-à-dire la vitesse, la détermination, l'envie d'avancer. Et on a vu qu'ils sont effectivement revenus à 4 points, mais finalement c'était qu'une anomalie. On peut parler de manque de respect, Pierre, sur ce match en deuxième période ? Non, je crois pas. Je crois que c'est un relâchement. Moi, j'ai eu le même devant la télé, honnêtement. À la mi-temps, je me suis dit, bon, voilà, ils ont fait une bonne première mi-temps. Maintenant, ça va dérouler en deuxième. Je pense que les joueurs ont eu un peu le même état d'esprit. Sauf que, voilà, en face, il y avait une équipe qui ne voulait pas lâcher et qui a finalement revenu dans le match. Puis, il y a eu quelques changements, des blessures. On a revu une équipe de France un peu désorganisée. Mais au final, elle a remis quand même les choses dans l'ordre. Et on finit avec presque 50 points. Donc, c'est quand même que tout n'est pas à jeter. Alors, avant même de détailler la composition de l'équipe de France pour le prochain match contre le Canada, Marc Lévremont a dit qu'il allait opérer un remaniement complet. Est-ce que ça ne peut pas déstabiliser un peu plus le groupe aujourd'hui ? C'est possible, mais je pense que Marc Lévremont avait prévu, quel que soit le résultat du Japon, de faire un remaniement contre le Canada. Donc, à mon avis, ça ne change pas tellement par rapport à ça. Après, c'est vrai qu'il a été très dur, il a eu des mots très difficiles, même à la mi-temps. Ce qui, moi, m'a un peu surpris envers les joueurs et encore plus à la fin du match, puisqu'on a vu en conférence de presse après le match nommer les joueurs en évaluant leur performance face à la presse. Voilà, donc c'est une attitude qui peut agacer certains. Après, chacun. Qui est nécessaire ? Pour moi, pas forcément, mais voilà, c'est en tout cas le parti qu'il a pris. Je ne sais pas si c'est pour faire réagir les joueurs ou si c'est sa méthode de communication. En tout cas. Voilà, je pense que c'est pour les piquer un peu, pour qu'ils aient une réaction la prochaine fois qu'ils joueront, que ce soit soit contre le Canada, soit contre les Blacks, parce qu'à mon avis, certains ne rejoueront pas avant les Blacks. Et justement, le Canada, dimanche prochain, vous le voyez comment, ce type de match ? Je pense que vu ce qui s'est passé un petit peu, ils ne referont pas deux fois la même erreur. C'est-à-dire que même si le match se passe bien, l'équipe de France va chercher à être plus constante sur la performance. Maintenant, voilà, ce sera un petit peu le même type de match que le Japon. Je pense, c'est-à-dire si on ne fait pas les choses dans l'ordre, si on ne va pas vers un jeu régulier sur les 80 minutes… On peut se faire peur. On peut se faire peur à des moments, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on voit dans toutes les poules, même les petites équipes, entre guillemets, aujourd'hui, sont capables physiquement, après une longue préparation, d'accrocher les meilleures nations pendant un long moment. Donc généralement, ça se débride en fin de match, parce que physiquement, il y a une différence. Mais bon, vous avez vu, il y a eu plein de matchs qui ont été très, très, très serrés. Et en tout cas, la première heure de jeu est finalement quasiment équivalente entre les meilleures nations et les moins bonnes. Alors ce match, c'est quand même la dernière chance pour se régler avant le grand test contre les Blacks. Est-ce que ce n'est pas un petit peu trop tard ? Vous êtes inquiet pour la suite ? Non, parce que dans la mesure où il y a deux équipes qui sont qualifiées, on n'est pas trop inquiet, bien sûr. Le sommet de la poule est évidemment le match contre les Blacks. Dans le contenu. Et dans le contenu, oui, on est un petit peu inquiet. On a envie de voir l'équipe de France être réglée déjà pour parfaire ça contre le Canada. Et on a tous envie, évidemment, d'une victoire contre les All Blacks, etc. Mais voilà, il ne faut pas oublier que l'objectif, il est d'être dans les deux premiers. Et je pense que peut-être qu'ils sont un peu plus tournés vers ça, tout en espérant une bonne surprise contre les Blacks. Donc on l'espère aussi. Merci beaucoup, Pierre. Avec Merci, plaisir. Baptiste. Et on se retrouve demain pour le fait marquant de la semaine.